Waouh! Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Sorbonne. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Comme vous le savez et comme nous vous le disons toujours, nous sommes en guerre. Et le diable lui-même, Satan, nous combat avec ses agents qui sont autour de nous. Et si vous êtes chrétien, vous priez beaucoup, vous respectez les conseils de Dieu, ça sera difficile pour le diable de vous atteindre. Parce qu'il y aura un blocage, une barrière qui va l'empêcher de travailler. Mais il peut descendre physiquement pour vous attaquer. Il peut descendre physiquement, s'approcher de vous physiquement. Il s'approche de vous physiquement. C'est-à-dire que le combat, il a commencé spirituellement par là qu'il est joué là. Il va venir physiquement. Au travers de qui? Des sorciers qui se trouvent auprès de vous. Et quand on parle de sorciers, ça peut être tout le monde. Ça peut être votre frère, votre mère, ça peut être tout le monde. Il ne faut pas dire comme c'est ma mère la mise au monde là. Ça ne peut pas être elle. Si tu te dis que ça ne peut pas être, je t'ai menti. Si c'est pas dit que, si tu dis que, bon, si tu dis que bon, comme c'est mon père et ma mère au monde, ça ne peut pas être lui. Si je te dis que ça ne peut pas être ton père, je t'ai menti aussi. Si je te dis que ça ne peut pas être tes frères, là, je t'ai menti. Refais-toi à ce qui s'est passé avec Joseph. Qui a combattu Joseph? Ce sont ses propres frères, mes frères et sœurs. Voici la réalité de la vie. Et quand ces sorciers-là, ils cherchent à t'avoir spirituellement, ils échouent là, qu'est-ce qu'ils font? Ils te combattent maintenant physiquement. Qu'est-ce qui s'est passé à Joseph? Ses frères se sont associés pour le jeter dans un puits. Après quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu. Ça veut dire qu'ils peuvent venir physiquement pour faire des actions mauvaises, pour toucher votre sensibilité. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est qui est visé? C'est le cœur. Le cœur. À force de voir les mauvaises choses autour de vous là, vous allez vous dire, vous allez avoir mal au cœur. Mais comment quelqu'un peut-il faire ça? Pourquoi mes frères peut-il me jeter dans un puits? Pourquoi peut-il me vendre en esclavage? N'est-ce pas ça? Est-ce que les gens ne se lamentent pas? Est-ce que les gens ne se lamentent pas? Quand ils voient des situations bizarres, est-ce que les gens ne se lamentent pas? Ça, c'est devenu aujourd'hui une arme du diable. Et j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Tu es chrétien, tu pries beaucoup. Mais si tu as remarqué que physiquement là, il y a des gens qui sont autour de toi, qui te combattent nuit et jour. Ils font même des trucs qui sont nuls, des mauvaises choses pour te faire, pour que tu aies mal au cœur là. Ah, fais attention, ce sont les sorciers qui font ça. Vous allez voir, hein, il peut avoir l'argent. Il peut avoir l'argent. Et puis toi, tu es un homme qui est simple, qui est dans la maison, dans la petite chambre où tu es là. Lui qui a l'argent là, il peut se déplacer pour venir dans la petite chambre où tu es là. Sachez qu'il a une maison, une grande maison, il va venir dans la petite maison là, rien que pour te chercher. Où tu mets les pieds là, tu vas voir, hein, tu vas voir, ils vont te chercher. Si tu mets les habits sur la corde là, ils vont aller la habit sur la corde pour jeter. Pour te chercher spécialement, ils veulent que tu te mettes en colère. Ils veulent que ton cœur soit toujours là en train de battre. Ça, c'est les marques déposées. Ça veut dire que si ils te combattent, soutiens-moi qu'ils ont joué là. Ils vont venir maintenant physiquement là pour faire créer des situations afin que toi tu aies mal au cœur. Afin que l'esprit qui est en toi là puisse s'affaisser. À chaque fois, tu seras en train de dire: ah, pourquoi quelqu'un peut faire ça? Le lamenter, il crée des lamentations. Il crée même des difficultés. C'est ça les sorciers font maintenant. C'est ce que le diable fait. S'il voit que vous priez, il faut créer quoi? Une sorte de lamentation, une sorte de chose bizarre. Vous allez voir, ils vont s'unir contre vous. Vous allez voir dans la famille là, c'est vos seuls qu'on combat. Ils vont s'unir. Eux tous, ils vont s'unir. Faites des réunions, faites des conspirations contre vous. Tout le monde sait que c'est mauvais, c'est du mensonge, mais vous allez voir. Pour que vous ayez mal au cœur, que vos cœurs saignent. Il y a plein de personnes, même plein de chrétiens, quand ils voient cette situation-là, où ils sont dans cette situation de persécution-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent, ils se lamentent. Dieu, est-ce que tu existes? Dieu existe, bel et bien. Il a sa main sur toi, il te protège même.
Mais comme le temps n'est pas encore venu là pour lui de dire stop là, c'est pourquoi il arrête de regarder la situation là comme ça. Sinon, il te regarde. Tout ce qu'ils vont faire contre toi là, ça ne te conduira pas à la mort. Mais toi, ne te laisse pas gagner par cela en ayant mal au cœur. En ayant mal au cœur en voyant ces choses. Non. Il faut garder la pêche. Il faut avoir toujours la joie. Quelle que soit la situation, même si tu paniques un peu, même si tu trembles un peu, ressaisis-toi au moment venu. Ressaisis-toi tout de suite et fonce avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout. Au dernier moment, Dieu lui-même, là, il va venir te secourir. Ne cherche même pas à aller sur les féticheurs. Ne cherche même pas à courir, à aller autre part que le Seigneur Jésus-Christ. Au moment venu, Dieu lui-même se chargera de tes ennemis. Tu te chargeras de tous ceux qui te persécutent autour de toi. Là. Dieu lui-même va se charger de toi. Surtout, ne la maudis même pas. Ne la maudis même pas dans ta prière. Ne fais pas des prières du genre « Seigneur, combat mes ennemis, tu veux les voir mourir. » Non, c'est inutile. Tu penses que Dieu là, ne voit pas? Ou même Dieu lui-même qui est au ciel, là, lui ne voit pas? Entre nous, il ne voit pas. Il nous voit tous. Il voit même ceux qui te persécutent mieux que toi. Il les voit dans le monde des ténèbres avant de faire des mauvais complots contre toi. Mais il te délivre toujours, il te donne la vie. Quand tu pries, dis Seigneur, bénis tous mes ennemis. Quand tu as dit bénis tous les ennemis, là, Dieu c'est un Dieu de justice. Va faire ton palabre. Je conseille toi pour t'abonner à cette vidéo. Activer la cloche, ne pas manquer tout simplement la prochaine vidéo qui va sans doute t'intéresser. A bientôt. Merci beaucoup. Let's go.